Bien le bonjour à tous, voyez un peu cet équipement forgé à partir des composants que le Gobule m'a lâché. J'ai le set complet Gobule, regardez ça. Mon personnage est trop beau. Il y a juste ces deux espèces d'antennes en fait, de langoustes qu'il a sur la tête qui sont un peu zarbi. D'autant plus que sur le monstre en fait, eh ben, il n'y a pas ça quoi. En fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait ça. Pour l'avoir affronté pas mal de fois, pour pouvoir avoir tous les éléments, ben, y a pas ça. C'est bizarre. Bon, écoutez, nous allons affronter aujourd'hui donc le grand Baggy. Nous avons débloqué. Alors attendez. Tiens, je me prends ça. Ça fait quoi? Insomniac. C'est quoi? Oh, ça a l'air d'être sympa ça. Réduit de moitié la durée des dégâts. Attendez, j'ai pas envie de passer 30 ans là-dessus. Ah merde. Bon, de toute façon, l'important c'est d'avoir plus 30 de vie en bouffant un petit peu. Donc. Voilà, vie augmentée, défense augmentée. Bon, tac, on va prendre la mission du Grand Baggy qui se situe dans un nouveau environnement, dans un nouvel environnement, la toundra, qui est un environnement de glace. Comme vous avez pu le voir, enfin, à mon avis, vous l'avez pas vu, mais cette mission nous donne vraiment très peu de Zeni, qui est la monnaie du jeu, hein, il nous en donne 1400. Donc, à mon avis, ça va être un monstre assez faible. C'est un monstre assez faible. Je viens de découvrir cet environnement, donc du coup... Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ça me parle sur mon téléphone. J'aime pas ça! Breuvage énergie, d'accord, ok. Ouais, c'est un monstre assez faible, donc du coup, ça va aller assez vite, puisque je viens de découvrir cet environnement. C'est les premiers monstres de cet environnement, finalement. Donc, le Grand Baggy, c'est un petit peu comme le Grand Jaggy. Sauf qu'il est légèrement plus fort. Vous voyez par exemple ça c'est bon ça c'est des Baggy. Tout simple. Eh bien regardez. Merde. Voilà. Ouais. Là normalement un Jaggy il serait mort. Ben là lui il se relève. Mais si je le fais une deuxième fois, ben là il se relèvera plus. Il est mort. Voilà. C'est juste ça la différence. C'est juste un peu plus solide et c'est normal quoi. Parce que sinon ça aurait pas d'intérêt de mettre ces nouvelles créatures. J'ai toujours les mêmes armes, par contre, qui font des dégâts d'eau, alors... Alors, voyez, mon personnage est un peu froid. Donc, on va lui faire boire un breuvage chaud. J'avais oublié ça. Hop. On va lui donner... un peu de ration. Voilà. Et c'est parti. Alors, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup d'environnement. Enfin, il n'y a pas beaucoup de... Je sais pas comment on peut appeler ça au niveau de la map. Si, d'environnement quoi, enfin d'endroit en fait. Dans cette partie, dans la toundra. Mais les endroits sont assez grands en fait. Donc voilà, comme je disais, j'ai toujours les mêmes armes. Bon, le Baggy comme ça... C'est un monstre... un petit peu qui aime le froid, donc du coup bah, il est sensible au feu. Et mes armes font des dégâts d'eau. Mais il est aussi un petit peu sensible à l'eau, légèrement. Hein. Donc ça passe, normalement ça devrait le faire. Alors à mon avis il doit avoir exactement le même comportement. Ouais voilà. Il doit avoir le même comportement que le grand Jaggy. Donc ça devrait le faire. Alors attendez, faut que je le cible. Putain, j'oublie toujours ça. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on a? On va lui mettre un petit marqueur. Allez, viens là. Ouais, ça, comme il s'est jeté quoi par terre. Quand il se jette par terre, quand il court comme ça. Wow. Ouais, c'est parti. Heureusement qu'il y a
Il y a Chacha là qui fait le café. Plus un de défense, merci Chacha. Oh, pourquoi je suis fatigué comme ça? Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord. Il m'endort. Normalement, on peut lui péter la corne qu'il a sur la tête, là. Bon, on sent quand même qu'il est un peu plus solide. Ah, ouais. Ouais, il crache de la neige, ouais. J'aime pas quand ils font ça, ceux-là. Allez hop, ça dégage. Oh, con. Hey. Ah, loupé. Ça déconne. Heureusement qu'il y a le tcha-tcha, parce que sinon... Je me demande quand c'est que j'aurai le deuxième. Le deuxième petit bonhomme là, s'il y en a qui le savent. Parce que je sais qu'il y en a un deuxième au bout d'un moment. Et après là, ça sera vraiment cool. Mon tcha-tcha qui est parti. On va attendre qu'il revienne. Oh, il se barre l'enfoiré. Bon, vous voyez que, en améliorant un petit peu ma santé avant de commencer la partie, avec ma nouvelle armure, même si je me prends beaucoup de coups dans la gueule, parce que je suis un peu un bourrin, donc moi je fonce dans le tas, et c'est vrai que les esquives... normalement, je peux... C'est quoi ce bruit? Là, j'étais en train d'essayer un truc, je vois. C'est vrai que les esquives, c'est pas trop mon truc, on va dire. Du coup, je m'en prends un petit peu plein la gueule, mais bon, vous voyez que ça passe largement. Genre, il va pas faire long feu. Quoi qu'il ait résistant, ce salopard, là. Ah, il bave un peu, là, non? Alors, je sais pas s'il est en train de bouffer. Si, il commence à baver, là. Ah, il est fatigué. Mais ce qui est chiant, c'est quand ils tombent par terre comme ça, ceux-là. Ils se relèvent tout de suite, en fait. Du coup, on n'a pas le temps de faire d'autres petits pouvoirs, là, de... T'as une tour de tour. Voilà, là, apparemment, il... Peut-être c'est à ce moment-là qu'il faudrait le faire, mais... De toute façon, c'est pas nécessaire pour ce monstre-là. Aïe, 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 aïe. Il m'endorme. Normalement, je peux courir un peu plus vite, non? Non, même pas. Ah, merci, rêvé, merci. Ah, merde, il m'a encore endormi, ce salopard. Voilà, voilà. Énerve-toi. Putain, ça part en couille. Il y a tous ces copains qui se sont foutus en travers de mon chemin. Entre lui et moi, et... Ils sont tous défoncés, quoi. Ça boite. Allez, hop. Prochain. Il est parti. Est-ce que je peux y aller directement? Ouais, je peux aller en l'ordre. Ça va le faire.
Hop, hop, yay! Hop, tête! Ah, merde, il m'a encore endormi. Ah, la vache. Non, il devrait crever, là. Ouais, attaque plus 1. Merci, tcha-tcha. On lui dit merci à tcha-tcha. Le mieux, c'est quand il te redonne de la vie, sans déconner. Faudrait avoir une... Je sais pas... un petit truc sur le gamepad, là, qui fait que tu choisis le sort que tcha-tcha il peut envoyer, quoi. Comme ça, si t'as besoin de vie, tu balances de la vie. Si tu veux plus de... De défense, tu balances un sort de défense. Oh non, mais il s'enfuit encore. Reviens là, ça me fouet. Vas-y, vas-y. Je vais la voir. Con, oh, j'ai réussi à taper derrière moi, quoi. Et regardez, même lui, il crache leur espèce de liquide qui me stun. Bon, allez, c'est parti, on y va. On va se le faire. Prochain monstre qu'on affrontera, une espèce de lapin géant, les mecs. Alors ça, j'ai hâte de voir. Non, il devrait crever là. Allez, il m'a craché dessus, je suis endormi. Wow. Je suis pas passé loin. Ah bah ben là, je l'éviterai pas. Chou, chou, esquive, esquive. Wow. Le mec, il frappe plus ses potes que moi, quoi. Vas-y, tcha-tcha. Putain, là, je prends tout, j'esquive plus rien, gars. Le problème, c'est que cette attaque, là, où il... En fait, il charge avec tout son corps, on va dire. J'ai vraiment du mal. Voilà, ça, j'ai vraiment du mal, quoi. Ah, voilà. C'est ça qu'il faut. Cri. Voilà, hop, là. Ouais, j'ai plus beaucoup de vie, mais je pense que ça peut le faire. Nickel. On va quand même récupérer un peu du... Ah ouais. Genre ils continuent à m'attaquer, eux. Allez, on dépasse ça. On va voir ce que ça donne. Moi, du cuir, voilà. Des griffes, hein, comme... truc classique, quoi. Est-ce que je vais pouvoir créer de nouvelles armures avec ça? À mon avis, non, parce que c'est vraiment simple à battre, quoi. Il est trop simple à battre. T'imagines, tu as une armure plus puissante. Moi, le Gobul, sans déconner, j'en ai chié pour pouvoir me faire le set complet, quoi. J'en ai vraiment chié. Et j'ai même dû aller chercher des grands os, des os de monstres grands, sur des barottes, là. Ça m'a cassé les couilles. Non, j'en ai vraiment chié pour le faire, alors... Si ce monstre-là te donne un set complet encore plus fort que celui que t'as, et pour... alors que tu galères moins pour l'avoir, ça serait du foutage de gueule, quoi, bordel. Alors, qu'est-ce qu'il me donne? Du cuir. Ça, c'est le truc. Poche somnifère. Ça peut être intéressant, ça. Peut-être moyen de faire des choses avec ce truc. Ostre de monstre petit. Voilà, donc écoutez, c'était le grand Baggy. On se retrouve pour affronter... Alors, je sais pas le nom. Je sais que c'est juste un gros lapin géant. Ça va pas être difficile. Écoutez, on se retrouve pour affronter cette espèce de bête très très vite. Allez, ciao tout le monde!